Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Je sais qu'il y a d'autres qui sont en train de dire, lui là il est chrétien, qu'est-ce qu'il veut nous dire encore? Voilà, moi je dis aussi que les chrétiens, les musulmans, c'est la même famille parce que c'est le même Dieu qu'on prie en fait. Voilà, donc pas besoin d'être un imam ou un musulman pour me prononcer sur le message essentiel du Ramadan. Voilà, j'espère que mes propos dans cette vidéo vous plairont et vous donneront quelques conseils en fait. Voilà. Mais bien avant de commencer mon allocution, j'aimerais bien souhaiter un très bon temps de jeûne à tous mes abonnés musulmans et à tous les musulmans du monde entier. Voilà, en tout cas que ce temps-là vous accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup de grâce et de bénédictions dans vos vies et dans vos différentes activités. Voilà. En tout cas, que ce soit un changement réel, 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 pas seulement pour ce temps-là, mais pour le restant de vos vies. Bref, voilà. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, hein, ce message-là, c'est pour les fans de Didier Arafat, de Mondé Bordeaux, de Serge Benaud, de Kidjiva, en tout cas de tous les artistes coupés décalés. Voilà. Parce que, bien avant de partir dans mes propos, plus loin dans mes propos, je suis un peu choqué, outré, offusqué même de certaines réactions concernant ce grand ancien-là. Voilà, ce grand temps de prière, ce grand temps de recueil là. Choqué de la réaction de certains fans. Voilà, franchement. Je ne peux pas admettre que un fan de X ou Y vienne sur la toile, soi-disant en train de demander pardon à des artistes qu'ils ont choqués, à qui ils ont manqué de respect, qu'ils ont insultés, tout en continuant à se moquer d'eux. C'est des choses inacceptables. Le Ramadan, c'est pas ça. Voilà. Bien avant même de vous donner mon mot sur le Ramadan, je continue encore. Je suis encore choqué de voir certains fans qui disent, par exemple, comme c'est le Ramadan, je vais plus insulter ou bien je demande pardon. Mais dès que le Ramadan finit, on reprend nos palabres. Le Ramadan, c'est pas ça, les amis. Je suis désolé. Voilà. Je suis pas musulman, je suis chrétien. Mais le Ramadan, c'est pas ça. Parce que le Ramadan, c'est un temps d'amour, de pardon, de recueil, de mémoire de conscience, comme me dit une amie de safe conscience, c'est-à-dire de te remettre en cause, de voir un peu ce qui n'a pas marché, essayer d'aller de l'avant, de prendre de nouvelles résolutions pour marcher selon les écrits du Saint-Coran. Voilà. En tout cas, selon les préceptes de Dieu. Voilà, c'est pas une histoire de venir sur la toile, dire je demande pardon à X, je demande pardon à Y, et je demande pardon au bâtard fan de X. Non, ça c'est pas musulman, c'est pas croyant, c'est pas ça le bon musulman. Voilà, le message du Ramadan, c'est pas ça. Le message du Ramadan, c'est un temps pour essayer de s'améliorer, essayer de demander pardon à Dieu pour toutes nos injures que nous avons faites à ces artistes-là, pour toutes nos injures que nous avons faites à ces derniers-là, pour qu'ils nous pardonnent ces péchés-là, voilà, pour qu'ils nous donnent la force d'être mieux, de faire des vidéos sans même insulter, de faire des vidéos sans choquer, voilà, parce que les injures, moi je dis toujours, injure c'est injure, mais moi je préfère mes injures, voilà, je préfère être dit bête, idiot, que de dire ta mère con, papier, de dire des grossièretés en fait, voilà, c'est vrai que injure c'est injure, mais je préfère mes injures, je le dis haut et fort, donc je voulais dire aussi que ce message a vraiment, franchement, il faut le retenir. Le Ramadan, c'est pas ça. C'est-à-dire, normalement, quand vous sortez de ce temps de prière là, de ce grand temps de prière là, consacré aux musulmans, il doit avoir un changement radical dans vos vies. Il doit avoir un changement radical dans vos vies. On doit vous voir autrement. Vous devez surprendre même la toile pour dire, ah, franchement, en vrai, le Ramadan a vraiment agi sur la vie de ce jeune là, ou bien sur la vie de cette fille là. Parce que faire des vidéos pour insulter, moi je trouve que c'est pas ça l'essentiel. Le Ramadan ne nous dit pas d'être saint pendant 30 jours et d'être démon tout le restant de sa vie. C'est pas ce que le Ramadan nous demande. Voilà, donc j'espère que je me suis fait comprendre. Et encore très bon temps de Ramadan à tous mes amis, à tous mes abonnés musulmans et à tous les musulmans du monde entier. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde plein, 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 plein de bonnes choses pendant ce temps-là. C'était moi. Ciao, ciao et bon temps de Ramadan.